C'est pas mal, ça serait un effet comme ça avec des... Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce magnifique décor avec deux invités de luxe, à savoir Vodka. Avant que ça commence, j'ai une petite question. Pourquoi dans un bateau pirate à l'ancienne, on est d'accord, il y a de quelle année ton bateau? Alors moi je t'explique, moi c'est une pirate de 1930. Ok. Pirate de 1930. En 1930, il y avait déjà des positions CE quand tu achètes une plaque et des vis. Pourquoi il pose toujours une question quand on commence une vidéo? Il a toujours... Yes, avec Amixem. Avec Amixem, yes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour faire un qui de nous. Je vous avais demandé sur Twitter de nous poser... Fais gaffe mec, parce que l'escalier va pas. Ok, donc du coup, je vous ai demandé de nous poser des questions sur Twitter. Vous avez été beaucoup à réagir. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont réagi, notamment. Oui, notamment Farod. Notamment Madiba. Notamment Le Monde à l'envers. Notamment Romain de Technodétest. En vrai, c'est pas compliqué. Sur Twitter, je vous ai demandé de me poser des questions, à savoir, par exemple, qui de vous trois a pêché le plus de meufs. Donc là, nous, on s'est pris en photo préalablement. Et on va devoir voter en vous dévoilant comme ça le téléphone. Super. Attention, vous êtes prêts? Non. Qui de nous trois a déjà pleuré devant un film? Ou est le plus susceptible de pleurer devant un film? C'est parti, vous votez. Pleurer, Ouais, vraiment, pleurer en mode. J'ai ressenti des émotions. j'ai failli devant Coco, mais j'ai... Ah, mais faut pas le dire, mais tu dois juste voter. Non, mais je préfère qu'on en parle. Regarde, devant Coco, avec Gad Elmaleh. Mais non. 3, 2, 1... Moi j'ai voté pour moi. Ah ouais, c'est excellent. Oh, intéressant. Quel film sur toi. Moi, alors je confonds toujours celui où c'est une exécution. C'est la ligne rouge ou la ligne verte, je sais plus. La ligne verte. La ligne verte, les gars. Ouais. J'étais comme ça, il y avait ma meuf à côté, j'étais là, genre je suis un bonhomme, je sais pas comment. Ok. Et toi, du coup, t'as déjà pleuré devant un film? Moi, devant The Giver, je sais pas si vous connaissez. The Giver, j'ai pas chialé, mais je suis sorti du cinéma, j'ai croisé des gens et ouais. Ouais, petite mine, pleurez pas, c'est une journée. Question suivante. Oh, très fine. Qui de vous trois a la plus grosse bite? Oh, nickel, un peu comme ma bite, elle est fine. À la plus grosse bite? Moi j'ai la plus grosse tub, quoi. Est-ce qu'on parle de l'épaisseur de la grande? Parce que... Non, c'est un calcul à faire. Une bonne grosse tub, quoi. Ouais, la grosse tub dans toute la C'est une tub qui est genre large comme ça, mais qui est petite comme ça, ça s'appelle une boule de pétanque. Ouais, je pense qu'on va aller voir un médecin si t'as un truc comme ça. Une troisième couille. Ok, vous êtes prêts? C'est super narcissique de voter pour ça, on est d'accord. 3, 2, 1... Eh, hey, il a pas voté lui. Ah, il est noir ton écran. C'est pour moi, Valentin. Rien à voir. Yes. C'est forcément moi qui est le plus gros, c'est sûr. Mais statistiquement oui, mais il bah, y a des trucs qui en des vrai, fois non. Il y a une table, on teste. Vas-y, ouais, c'est parti. Alors deux morceaux. Question suivante, mesdames et messieurs, attention, est-ce que vous êtes prêts? Celle-ci, je l'ai prise uniquement parce qu'il y avait beaucoup de likes dessus. J'ai vu les gens vraiment ont kiffé. Qui de nous trois le plus surcoté? On le doit plus. Voter maintenant, là tout de suite. C'est parti. Vous avez à peu près 2 secondes de réflexion. 3. Pourquoi tu veux regarder ça? Moi, je vote au hasard et je expliquerai pourquoi mon choix. Moi aussi, j'expliquerai pourquoi. Mais alors, vous êtes prêts? Je vote au hasard et j'expliquerai mon choix. Top, 3, 2, 1, top. J'ai voté qui? Ouais, Massu, t'es surcoté parce que vraiment. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. On croirait qu'avec ton petit humour de campagne, la voiture, tout ça, les beaufs, et ben, ça fait rire. Ça fait sortir des youtubeurs un peu mainstream, ouais. Mais dans le fond, ouais, t'es comme les autres. Ah ouais, tout ce que t'aimes, c'est l'humour avec des blagues là. Moi j'ai mis un robinet de toilette parce que je trouve qu'il est pas assez bien serré. Et ils sont en mode dans mon appart, ils ont dit regardez ce robinet, il est bien serré. Et j'étais là, regardez, et je l'ai resserré. Donc je trouve que c'est un peu surcoté. Et moi, du coup, pour m'expliquer, j'ai voté pour toi uniquement parce que bah en fait. Par rapport à ta dernière vidéo qui a pas fait de vue. Non, c'est juste que en fait, je me suis dit que comme t'étais celui qui avait le plus d'abonnés, ouais, et le plus de visibilité, j'allais voter pour toi, c'était le truc le plus légitime, tu vois. Non, ça veut pas dire que en fait, que tu le penses, mais t'as un auto-suite. Wow! Non mais, Théo, sans rancune. Qui de vous trois a eu le plus de copines? On parle de copines, pas de l'encu ou. De relations sérieuses. De relations sérieuses. Avec des filles sans sortir avec. Moi, je savais pas. Bah, c'est-à-dire relations sérieuses, ouais, vraiment. Relations sérieuses, en vrai, des copines. Ouais, voilà, même si ça durait un mois, dans ta tête, c'était une relation sérieuse, tu comptes comme une copine. 3, 2, 1, hyper vite! Ah ouais! Attends, je sais pas. Moi, j'ai voté pour moi parce que je sais pas. T'as eu combien de copines? J'en ai eu 3. Sérieux, j'en ai eu 4 et demi, on va dire. Et toi, 3? 3. 4 et demi. J'avoue. Demi-meuf. Je sortais avec ces gens. Ah, et moi, je crois que je sortais avec 4 meufs. En fait, vous êtes à égalité, moi j'en ai 3 et vous 4. Cool. Qu'est-ce qu'on fait des informations? Eh ben. Je pense que des gens seront contents de dire alors aujourd'hui j'ai appris que mon youtubeur préféré 4,5. Ok, je prends au pif, attention. Qui de vous trois est secrètement amoureux de Jordan? Quoi? Il y en a un de nous ici qui a pas dit qu'il était homosexuel. Et vraiment il veut se taper Jordan. La grosse queue de Jordan. On peut faire l'amour entre hommes. En fait c'est par le cul, par l'anus. Ah. Mais c'est dégueulasse, c'est par là que sort le caca. 3, 2, 1... Je vote Vodka Prod. Moi aussi. Moi j'ai mis un robinet parce que je pense que Jordan est robinet. Ça peut pas marcher à tous les coups le robinet. Qui de vous trois a déjà fantasmé sur une youtubeuse? Ou alors qui serait plus susceptible de fantasmer sur une youtubeuse? On a tous fantasmé sur une youtubeuse. On a tous fantasmé sur une youtubeuse. Non. 3, 2, 1... Vodka Prod. Oh, dis donc, ouais, oh, les autres. Je sais pas si t'étais le premier de prononcer à dire bah tout le monde. Vous êtes pas marrant. Aussi un peu. Mais... J'en ai marre, Maxime.
tu vois ce que ça fait. Bah, dans mon studio, à chaque fois il faisait ça, il décalait tout le temps mon décor. Par contre, chez lui, il faut pas toucher, hein. Salope. Eh, on passe à la question suivante parce que je dirais pas qui c'est. Ah, parce qu'il y avait vraiment un nom. Oh, il y avait un nom, ouais. Neoxy qui dit: qui de vous trois m'a piqué mon savane hier? Il était devant Buzz l'éclair, alors c'est pas les choquer. Oh. Alors, c'est un mec, moi je l'ai pas vu personnellement. En admettant que ce soit obligatoirement un de nous trois, qui aurait pu, dans un geste de fin, peut-être voler un savane à un autre? Qui tombe? Oh, je suis pas sur les origines, c'est... d'accord. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est l'action de voler. Moi, à peine t'as dit voler, mec, il y a ta photo qui est apparue. C'est mon iPhone. Ton téléphone, il a c'est détecté. Siri qui a envoyé ta photo direct, en gros zoom comme ça. Ah merde. Il a dit, regardez, c'est lui. Ou alors, qui a volé le savane à Neoxy? Attention, réponse dans 3, 2, 1. Franchement, j'avoue, c'est moi. Merde. Franchement, je vous dis, dans l'open space de Jean, il restait un balisto. Vraiment, un balisto. Il disait avec c'est à toi. Mais oui. Mec, j'ai mangé. On me les a offert pour mon anniversaire. Mec, je connaissais pas, je trouvais ça trop bon. Oh, ça me souffle. Il en restait un. Non, mec, mec. Regarde, tu vas tomber dans l'eau. Il en restait un. Putain, je suis trempé. Oula, oula. Il a le mal de mer. Ouais. Ça y est, ça c'était sûr. Ça tangue votre truc. Sortez la grand-voile. Ouh là là. Qui de vos trois a déjà fait du sub for sub? Moi, j'ai fait du sub for sub. C'est vrai? Je peux vous raconter. Courrier, c'est genre le truc honteux. Je vote pour moi du coup. Alors en fait, voilà. Avant YouTube, je travaillais dans une. C'était pas pour moi. Ah, c'était je pour sais une marque. Quelle marque. C'était une marque de tourisme. Et en fait, ils voulaient développer leur compte Twitter. Et personne n'avait envie d'aller s'abonner à leur compte Twitter parce que c'était nul. Okay. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Et ils étaient là en mode, ils me fixaient des objectifs, genre faut qu'il y ait plus d'abonnés, fils de pute, tu vois. Okay. Moi j'étais, mais il y a aucun moyen vraiment. C'est nul ce que vous dites en fait. Votre marque est nulle. Il y a aucun moyen. Et du coup, j'ai téléchargé un logiciel qui automatiquement s'abonne en masse à des gens sur Twitter, oh, en espérant des follow back. Ok. Ouais, c'est un peu honteux comme pratique. En c'est pas vraiment du self. Ça a marché ou pas? Ah ouais, bah, carrément. Par contre, il s'est fait ban le compte au d'un moment. Farod qui nous demande: qui de vous trois est le plus précoce? Entre parenthèses, je parle bien d'éjaculation. Alors attention, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, c'est parti! Quoi? Ah, yes! Vous êtes des putes! C'est le plus jeune, c'est obligé. Ta quéquette n'est pas prête. Il t'enchaîne tout le temps, ta quéquette elle. Franchement, ça va, ma mère elle dit que je me débrouille bien. Qui de vous trois a été le pire élève au lycée? Au lycée, c'est ouais. Précis. Ah, c'est précis. J'ai rajouté au lycée. Oui, elle avait dit le pire élève, mais moi j'ai rajouté au lycée. 3, au lycée. 2, okay. 1. Oh, c'est un trio. Ah oui, c'est un trio. C'est un complet. J'ai failli dire moi, t'étais vraiment mauvais pour avoir. Alors, deux informations qui vont faire comprendre. Okay. J'avais 8 de moyenne en S. Ok. Ça voilà, pas si grand, pareil que moi. Et j'ai eu 1 sur 20 à mon bac de français. Elle a plus mis 1 la meuf pour dire qu'il est venu. Mais j'ai une explication. Oui. Je savais que je redoublais. Donc je me suis dit, Valentin, t'as une c'est chance dans ta vie rigole. De troller, mais tout seul, de te faire rire, mais que toi. Et ben, j'ai bien rigolé. Elle un peu moins parce qu'elle a mis 1. Mais je suis un peu déçu parce que j'ai quand même mon nom, je l'ai bien écrit. J'ai répondu bien à une question, mais elle m'a dit bon, c'est bon, tu sors. Et moi, je suis parti. Ah, c'était à l'oral. Oui. Et je suis parti. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, t'as vraiment porté tes couilles. Bonne vacances. C'est parti, elle m'a dit. Allez, tu m'énerves, tu dégages. Et je dis bonne vacances. Mais aujourd'hui, j'ai réussi grâce à la vie. Qui de vous trois est le plus canard avec les meufs? Le plus canard? Ouais, vraiment celui qui est là, genre oui, mon petit cœur. Oui, excuse-moi, je te. Attends. Canard. L'expression être un canard. Ah oui, je connais. 3, 2, 1. YouTunes. Sans appel. Mais oui, allô, oui, oh, j'arrive. Mon oui, petit oui. Oui, oui, non, je suis pas en soirée là. J'arrive, les gars, deux moritos. Et bien, du coup, bisous si tu passes par là, Jordan. Qui de vous trois a le plus de chances de conclure avec Miss Jirachi? Mais c'est moi carrément. Elle a moi. Oh, comme il regarde bien. Ok, on vote du coup. 3, 2, 1. Ah, mais Valentin, t'es encore bien. Attention, noir. Attention, t'as mis qui, Valentin? Ah, t'avais voté pour moi, il putain. J'ai réussi à te convaincre. Avec mon qui? Mais moi, mais Jirachi, je la trouve gentille. Mais je préfère David. À choisir. On parle de. De baise. Ouais. David, je valide. Qui de vous trois a le plus honte de ces vidéos? Si tu le contexte. Bah, c'est-à-dire, par exemple, tu vas, je sais pas, imaginons, tu vas acheter une voiture. Et quelqu'un dit, ah, vous faites des vidéos. Voilà. Ouais, et là, il dit, est-ce que vous pouvez montrer ce que vous faites? Ou alors, c'est quoi votre pseudonyme? Et là, il commence à aller sur YouTube. Non, ouais, c'est bien. Et il lance vraiment une vidéo au hasard. Tu vois, c'est pas toi qui lui dis, tiens, va voir celle-ci. Et il lance vraiment une vidéo au hasard. Et là, il tombe sur. Je regarde du porno en VR. C'est ça. J'hésite entre les trois. Je regarde du porno en VR. Vraiment. Tu parlais, j'étais sur quelqu'un, j'ai fait, ah non. C'est ça. Moi, je sais. Ok. 3, 1, 2, 3. J'ai voté pour Mastu. J'ai voté pour moi. Pourquoi? Parce que ça m'arrivait il y a pas longtemps où ils ont dit ah, j'étais acheté une voiture, ils ont dit ah, on a eu vos vidéos avec tes collègues. C'est bien. Mais il y en a des biens, ouais, de malaise. J'ai voté, ça fait un petit bruit de merde. On aura dit TikTok. Ouais, c'est ça. Mais derrière. Qui de vous trois pourrait faire Koh-Lanta? Je ne pourrais absolument pas faire Koh-Lanta. C'est vrai que c'est peut-être logique de la tourner dans ah ouais, ouais, ouais. Allez, vous êtes prêts? Qui ne pourrait pas faire Koh-Lanta du vraiment tout? Vraiment pas du 3, tout. Genre pas du tout. 3, 2, 1. Y a pas internet. En vrai, je pense que je pourrais le faire, mais il faudrait vraiment qu'on m'apporte des kilos. T'as voté pour qui? Pour moi. Ah, pourquoi je pourrais le faire? J'ai commencé à trafiquer. Oh là, par mon téléphone, excusez-moi. Madiba qui nous demande: qui de vous trois est le plus féministe? Attends, féministe au sens propre, c'est quoi? C'est en gros qui défend la cause des femmes. Bah, qui défend la cause des femmes et qui veut l'égalité des sexes. Ok, 3, 2, 1. Alors, moi j'ai voté Valentin. 3 vodka. 3 vodka. À l'unanimité. Parce qu'au final, il critique. Mais dans le fond, il aime ça, les vagins. Il les défend. C'est vrai. T'es un des seuls, mais t'es même peut-être le seul à en parler sur YouTube des causes féministes. Bah là,
pot essayer de parler du harcèlement de rue, mais alors quand je vois tout le travail que j'ai à faire, à la fois j'ai juste tweeté, putain, y'a des mecs dans un délire, mon gars. Bah, pourquoi apprendre à accoster une meuf dans la rue? Faut pas le lancer sur le sujet. Ah, mais lancez pas! Oh, le monde à l'envers qui dit guide nous trois à la meilleure chaîne YouTube. C'est pas du tout un truc la pour meilleure, foutre, la meilleure, ouais, la meilleure de nous trois. Pas du tout pour foutre la merde. Attention. 3, 2, 1. Pour moi, j'ai mis un robinet sérieusement, du coup, j'ai l'impression d'être robinet toilette. Alors, moi, je m'explique. Alors, moi, vraiment, je suis fan d'Amixem. C'est super, non? Bah, je voulais une photo avec toi, en fait. Mec, y'a pas de soucis, t'aurais dû me demander. C'est vrai, t'as fait tout ça juste pour une photo, mec. Bah, moi, je voulais une photo avec toi. T'as fait une chaîne YouTube, je prends une photo. On en a jamais. Quoi? Bah, gros, c'est bien, t'as une ambition. On peut voir une petite photo, du coup. On peut le faire à la caméra. Bien sûr. Avec ton téléphone. Et tu pourrais la publier sur Twitter, s'il te plaît? Ah oui, tu peux publier maintenant. On a vécu ensemble maintenant, oui. Vas-y. Et donc du coup, mais après tu vas fermer ta chaîne vu que c'était le seul but du... Ouais, après je vais prendre une photo avec votre cas. Attends. Il a eu la double. Voilà, c'est bon, je l'ai posté là. J'ai ça pas y vu. C'est j'ai bon. Pas eu, j'ai pas eu ça la notif. Ça y est. Parce que j'ai activé les notifs c'est quand bon, tu tweets. Ça y est, c'est... Je vois pas. Qui de vous trois, pour la dernière question, a trempé le biscuit en premier? Oh. On part sur un vote, c'est parti. C'est Maxime. Pardon, j'ai pas bien compris le truc. Y'a rien compris. 3, 2, 1. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Et c'est là-dessus que nous finirons. Avant que je raconte des anecdotes. Raconte comment tu l'as apaisé. C'était dans les favelas, on avait 8 ans. Et bien, merci à vous d'être venus, messieurs. Ça fait très plaisir de tourner avec mes youtubeurs préférés. Un plaisir. Est-ce que vous pouvez faire une outro comme dans vos vidéos? Ah putain, le loup. Tu sais, comme quand tu fais le. Cap, bonjour. Pas piquer des hannetons. Eh, Maxime. Attends, tous les trois, les têtes comme ça, côte à côte. Vas-y, Maxime. Ouais. Souris, s'il te plaît. C'est pour la miniature comme ça en même temps. Over. Salut. Bye les boys. Wouh. Bye les boys. Bye les boys. Non, mais oh.